Et ça cuit, il dit. Oh. Wombo, l'animatrice de Bachelor a dit qu'elle n'était même pas au courant qu'il y a une émission qu'on appelle Secret Story d'Afrique. Encore moins qu'elle allait animer. Qu'elle a sa part d'émission qui la dépasse. Donc voilà. Ses abonnés disaient qu'elle parlait elle, de ses produits qu'elle achète, qu'elle vend. Que quelqu'un est parti acheter des gélules moins chères, ça lui a chou le pépé là-bas, Adama. Qui croit? Ce qui est sûr, c'est que c'est comme si notre animatrice de Secret Story-là attendait ça au carrefour, maman. Elle s'est chargée. Petite affaire de que, wow, que le moins cher, cher. Hey! On a cité le nom de personne. Quelqu'un s'est senti. On dit souvent chez nous qui s'explique, s'accuse. Bon, que, wow, je te respectais. Que, wow, moi au moins je paie le loyer du haut de mes 26 ans. Que, wow, que, wow, que, wow. Yeah! Maman, tu l'attendais, c'est mon carrefour. Oh, Bible maintenant sur nous, mes gens. Ce qui est sûr, c'est que quand on prend quelqu'un comme ça pour une émission comme Secret Story, on dirait qu'on a checké tous les pays d'Afrique et on a pris la meilleure. En tout cas, c'est ce qui devrait être. Donc, voilà aussi notre soeur influenceuse du moment qui sort pour dire que on parle comme ça, on parle comme ça. Parler devant sa caméra et parler devant des milliers de personnes, c'est différent. Mais moi, j'ai envie de demander quelque chose. C'est que cette story-là, on ne tourne pas ça dans la chambre. Ce n'est pas les histoires qu'il y a des caméras, on te suit partout, partout. Est-ce que c'est comme s'il y avait un public devant toi que tu dois parler? Parce que oui, la manière dont Mumu parle, quand tu fais les émissions, il y a les gens qui viennent à l'émission, assister à l'émission pour applaudir les spectateurs. Mais c'est que cette story, ce n'est pas ça, Adama. Bref. Ce qui est sûr, c'est que notre soeur a versé les organes. Et en tout cas, la soeur ivoirienne a dit qu'elle n'est même pas au courant de ça. Pardon, qu'on la dérange. Moi, c'est une chose, c'est que la fille-ci, qu'on appelle Maloyer, c'est une femme qui méprise tout ce qui se passe sur Internet. Parce que si c'était ça, on a lavé ici, on a tout dit ici, loyer impayé, vente pour n'importe où, j'ai baisé, tout, 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 tout. Elle n'a jamais fait statut visé. Elle n'a jamais parlé. Pourquoi elle viendrait parler aujourd'hui d'une histoire qui concerne l'affaire Mbrakata de Télé. Je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est ça qu'elle parlait. Après une réflexion, la façon dont la fille là, ignore les choses dans ses réseaux sociaux-ci, qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit d'elle ici? Elle a déjà justifié quoi? Que, oh, elle doit combien de millions? Que le tribunal a dit que quoi? Qu'elle n'a pas de maison, qu'elle n'a pas ceci, que ses chaussures sont en plastique, que les habits qu'elle achète en Turquie, qu'elle gère busy, qu'elle vend pour Pounampou. Elle n'a jamais fait statut visé. Pourquoi elle ferait statut visé aujourd'hui? En tout cas, c'est comme si, comme je dis et je répète encore, que ce soit elle ou que ce soit pas à elle qu'elle s'adresse, notre soeur a chargé ça sur son dos. Elle a fait pain pâté avec. Maman, il faut te revoir. Vraiment, on espère que la prochaine fois sera la mieux, la meilleure et tout. Mais moi, je dis et je redis, pour un premier coup, il fallait prendre une professionnelle. Parce que là, le monde nous regarde. Même les Français sont en train de se moquer de nous. À Piso.